Jean-Pierre Villers, un peu secoué aussi malmené dans les toutes premiers instants de la course. Il est malheureusement dernier et la numéro 100 au ralenti. Anthony Garbarino est au ralenti numéro 100 avec une roue avant droite qui n'était pas crevée. Il y a en tout cas un affaissement réel au niveau de la roue avant droite. Je pensais d'ailleurs, Jean-Michel, que c'est la voiture qui avait tout à l'heure tiré tout droit ou presque au niveau du chemin en deux sans prendre l'échappatoire. C'est une probabilité, hein, sans être certain, mais à mon avis, par rapport à cette trajectoire un peu spéciale de la numéro 100, je pense que c'est elle qui, avant un tour, avait effectivement presque traversé le bac à gravier au niveau du chemin en deux. Le dixième tour est en cours pour envoyer l'étape, et on va naturellement surveiller le passage par les stands pour les voitures avec le changement de pilote qui va intervenir dans ces cours d'instant. La voiture rentre au stand, l'arrêt de la 80. Allez, la voiture de Sébastien Douilly, de Gilles Bourbico. Donc Willy Boustac est en troisième position en 1:48.341, réalisé son record du tour perso. Rappelez les positions là où nous en sommes à même pas 2 minutes en théorie du passage par les stands de l'équipe pour les changements de pilotes pour autre voiture à entrer au stand. C'est donc la numéro 100, voilà, comme nous l'avions indiqué avec le Camaro. Leader, le 25, Romain Yedeta, deuxième, le 11, Kevin Hest, troisième, le 17, Philippe Boussna, quatrième, le pilote Fastcup sur W9, c'est Romain Thierin, cinquième, entre les liens, numéro 5, sixième, Bruno Cosin, à la Villoire, voilà pour qui connaît Bruno Cosin et son attachement au Mans, parce qu'il y a, on va dire, grosso modo, 20 ans de ce fait d'aller gagner une course en Coupe Clio. C'était un très très bon souvenir. Qu'est-ce que vend-il une pénalité Drive Through, il est encore en 7ème position. Derby Larino a déjà regagné 2 places, il est 8ème devant Vincent Bonneau et Pierre Hague. Belle course aussi hein, de Pierre Hague. Fadel Monégasque 11ème, Olivier Pernod s'est bien saisi, il est 12ème, il est numéro 88. Et voilà le groupe de tête avec un changement de leader. Changement de leader, le vainqueur de la Porsche Carrera Cup 11, Kevin Estre, est passé premier. Et l'arrêt de la numéro 16, oui, de John.